وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي رباح محمد. أهلا بك سيدي. بداية، حديث وأوهام عن وجود صراع بين الحكومة وكذا رجال الأعمال، حسب رأيكم إلى أي مدى يؤثر هذا النوع من الصراعات على مناخ الاستثمار في الجزائر خاصة في الوقت الراهن؟ ميرسي. Le climat politique influe énormément sur les investissements directs étrangers. Parce que les investissements directs étrangers sont attirés généralement par cinq facteurs importants. Le premier, c'est l'existence et la taille du marché. Le deuxième, c'est la stabilité politique et économique. Le troisième, c'est la libéralisation des politiques commerciales. Le quatrième, c'est l'état des infrastructures. Et le cinquième, c'est la modernisation des institutions qui visent à lutter contre la corruption, à instaurer la crédibilité et à maintenir la dynamique des réformes. طيب إلى أي مدى تؤثر هذه الصراعات على مناخ الاستثمار، خاصة أن الجزائر حاليا تنظر إلى جلب يعني واستقطاب يعني مستثمرين أجانب؟ cette situation a conséquence un climat de méfiance particulièrement auprès des opérateurs économiques étrangers. Cela va entraîner la fuite des capitaux et le découragement de ses investisseurs. Si on se réfère au score, l'indicateur du risque politique global de l'International Country Risk Guide, il est positivement relié au flux des IDE. Cela signifie que toute augmentation du risque politique va entraîner une diminution du flux net des entrées des IDE en Algérie. طيب ألا تظن أستاذ أن هذا التأثير سيكون له أثر على المستثمرين المحليين، فما بالك الأجانب يعني؟ الأجانب les étrangers vont être très impactés par la situation actuelle qui se passe dans notre pays parce que les scandales politico-financiers qui viennent d'être dévoilés par la presse vont influer négativement sur la confiance des investisseurs étrangers parce que là, ça va augmenter leur méfiance vis-à-vis de leur investissement dans notre pays. Et donc, automatiquement, ça va influer négativement sur l'économie algérienne et sur la croissance du pays. On a intérêt à régler ces problèmes le plus rapidement possible pour... طيب أستاذ، ما الواجب من الحكومة أن تقوم به اليوم من أجل يعني فض هذا الصراع وفض هذا الخناق؟ Moi je pense que les actions qui sont en train d'être menées actuellement par le gouvernement de monsieur Tebboune méritent à être encouragées dans la mesure où ça va assainir la sphère politico-financière et permettre aussi bien aux investisseurs nationaux qu'aux investisseurs étrangers de reprendre confiance en l'État algérien et au gouvernement algérien. Moi, personnellement, j'encourage beaucoup ces actions qui visent à donner de la crédibilité à l'État algérien. طيب أستاذ، هل بصراحة يعني تظن أن الحكومة الجزائرية تعتمد على رجال الأعمال الجزائريين كمستثمرين يعني حقيقيين اقتصاديين؟ Nous avons des investisseurs algériens dignes de foi. Il faut encourager les vrais investisseurs, ceux qui apportent de la croissance au pays, ceux qui apportent de la valeur ajoutée, ceux qui créent de l'emploi. Il faut éviter de mélanger le politique avec l'économique. Malheureusement, la sphère politique s'est mélangée à la sphère économique et on se retrouve dans les situations que nous vivons actuellement. فقط لأذكر، هل الحكومة تعتبر الشركاء الاقتصاديين، رجال الأعمال شركاء اقتصاديين حقيقيين؟
نعم بيان سور نو زافون دي انفستيسور كي بوف ابورتي بوكو بوكو بور بور ليكونومي الجزائريان اي بور لو باي il faut pas mélanger madame c'est très important c'est pas tous les investisseurs tous les opérateurs économiques algériens انا وجهت استاذ انا وجهت لك بهذا السؤال لانه غالبا المشكل الذي يقع فيه رجال الاعمال والحكومه هو مشكل الثقه لازم actuellement le gouvernement Tebboune je pense qu'il est en train de mener une action d'importance primordiale pour redonner la confiance aussi bien aux investisseurs algériens qu'aux investisseurs étrangers. Et il faut l'encourager dans ce sens parce que c'est le devenir de l'Algérie qui est en jeu. L'Algérie a besoin de vrais investisseurs qui croient dans leur pays. طيب أستاذ كآخر سؤال فقط ما هو الدور الذي يجب أو يلعبه رجال المال والأعمال في النهوض بالاقتصاد الوطني خاصة ونحن اليوم في عز الأزمة؟ Le rôle que doivent jouer les investisseurs et les opérateurs économiques algériens, c'est un rôle qui doit soutenir la croissance économique du pays. Il faut qu'ils travaillent la main dans la main avec le gouvernement actuel parce que, de mon point de vue, il est sur la bonne voie. Il veut assainir la situation. Donnons-lui cette chance d'assainir la situation et de faire sortir l'économie du pays de la situation dans laquelle il se débat actuellement. جيد الخبير الاقتصادي محمد رباح كنت معنا مباشرة عبر الهاتف شكرا لك على كل هذه التوضيحات